ça m'inspire le cerveau. J'étale bien mes coloris, faudrait pas que je m'étale aussi, car je refais la façade, c'est haut la façade. André Laban aurait pu être un peintre de bord de mer comme tous les peintres de bord de mer sur qui le touriste en mal de pittoresque vient se poser. Mais que nenni, cet ancien ingénieur chimiste de Marseille qui a passé plus de 30 ans sur la Calypso en compagnie de l'incontournable commandant Cousteau, a inventé une nouvelle race de peinture, la peinture à l'huile dans l'eau, et c'est pas un rigolo. En fait, je faisais de la peinture hors de l'eau depuis l'âge de 12 ans. Je peignais les paysages de Provence, la mer vue par-dessus. Et en 1965, j'ai participé à une expérience de plongée à saturation qui m'a permis de passer 3 semaines à 100 mètres de profondeur dans un habitat avec 50 plongeurs. Et je me souviens que le jour de la sortie, juste avant de sortir, je me trouvais dans une lumière bleutée qui venait de la surface, et je me suis dit, il n'y a que la peinture pour permettre de restituer une telle ambiance. Mais pour que dans l'eau la peinture tienne sur la toile, notre pinocheur a un petit truc. Il recouvre sa toile avant chaque plongée d'un enduit de médium flammant. Quand il fait beau et que la mer est chaude, notre peintre se met à l'eau et restera entre une demi-heure et une heure à une profondeur variant entre 10 et 30 mètres. Quand je peins, je ne me pose pas la question est-ce que c'est bien ou pas bien. J'essaie de retranscrire ce que je vois. Ce qui m'importe, c'est de faire sentir que l'on est dans l'eau. Pour communiquer pleinement cette sensation, André Laban, une fois hors de l'eau, doit peaufiner sa toile. Il faut que je la rince à l'eau douce en sortant de l'eau. Et ensuite, j'attends que l'eau soit évaporée. Et je peux rectifier quelques touches, et en particulier des dégradés entre la surface et le fond. Et puis je signe hors de l'eau, bien sûr, parce que ça n'est pas nécessaire de faire au fond. Pour posséder l'un des fonds marins d'André Laban, exposé dans le monde entier et véritable œuvre impressionniste, il vous en coûtera entre 4 et 8 000 francs. Pour une vue intérieure de l'océan, c'est pas la mer à boire.